Au sommaire de ce journal, la massacre à Goma, un commandant de la garde républicaine et les commandants régiment force spéciale aux arrêts et les responsables militaires seront également en procès pour qu'ils répondent de leurs actes, l'annonce du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Peter Kazadi. Alors que la CENI a convoqué l'électorat pour la présidentielle, Moïse Katumbi est en tournée dans le Katanga profond. Manono, Malembankoulou, Kabongo, Bukama sont les territoires qui sont sur l'agenda de ces candidats à la présidentielle de 2023. Affaire Bukangalonzo, la haute cour a décidé de la remise pour 3 semaines pour s'imprégner de nouveaux éléments. Les détails dans ce journal. Après les titres, place au développement. Bienvenue à tous. À ce journal, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part ce lundi à Harare à l'investiture du président Emmerson Mnangagwa, réélu à la présidentielle d'août dernier. Également présent au stade national de la capitale, les présidents sud-africains, mozambicains et botswanais, le Zimbabwe et la RDC entretiennent depuis plusieurs années des liens de fraternité. Il y a encore quelques semaines, le chef de l'État avait mandaté un envoyé spécial avec un message de paix, avec le désir d'intensifier les relations entre les deux peuples. Dans l'actualité également, le Sénat français et le Sénat de la RDC s'engagent à redynamiser leur coopération dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Le sujet était au centre de l'audience que le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Obaati-Lukwebo, a accordé ce lundi à une forte délégation parlementaire française conduite par le vice-président du Sénat français, Laurence Rossignol. La possibilité d'échange d'expériences entre les deux chambres et entre les administrations a été évoquée au cours de cette rencontre à laquelle des questions de coopération économique se sont aussi invitées au débat. Sur ces chapitres, le hôte de Modeste Obaati-Lukwebo, qui était conduit auprès du speaker du Sénat congolais par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, ont exprimé la volonté de la France de revenir investir en RDC dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Les parlementaires français ont promis de mener un plaidoyer auprès de leur exécutif en vue de renforcer de cette coopération qui sera bénéfique pour les deux peuples. Nous avons évoqué cette possibilité de déplacement pour renforcer le travail que nous allons pouvoir faire entre nos institutions et l'échange d'expériences que nous allons pouvoir partager au niveau des parlementaires, mais aussi de nos collaborateurs qui ont un rôle important dans l'institution, mais aussi de l'administration. Et ce sont des coopérations qui se créent régulièrement entre pays. Et nous sommes ravis, en tout cas, de pouvoir ici le conforter. Le président du Sénat congolais, Modeste Obaati-Lukwebo, a salué la vision de ses collègues parlementaires français qui va contribuer au développement de la RDC par la création de nombreux emplois et la création des richesses. Il a également émis les souhaits de voir la France venir investir au Congo, surtout avec l'amélioration du climat des affaires que connaît le pays sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à faire de la RDC un pays attrayant en matière d'investissement. Massacre des civils le 30 août dernier à Goma, de responsables des services de sécurité arrêtés. Il s'agit du commandant de la garde républicaine, le colonel Mike Mikombe, et le commandant régiment force spéciale. Cette annonce est du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, faite ce lundi au gouvernorat de province. Un procès à l'encontre de ces responsables militaires sera également ouvert pour qu'ils répondent de leurs actes. Après avoir sollicité et obtenu de la Cour la régularisation de la procédure de la saisine, le procès Bukangalonzo se poursuit à la Cour constitutionnelle devant laquelle l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Déogratias Mutombo et Christo Grobler se sont présentés pour répondre de chefs d'accusation de corruption et de détournement des deniers publics. Mais la composition de la Haute Cour a décidé de la remise pour 3 semaines, le temps pour la défense de s'imprégner de nouveaux éléments dans le dossier Bukangalonzo.
Je l'annonçais au sommaire, Manono, Malembankoulou, Kabongo, Bukama sont les territoires qui sont sur l'agenda du candidat à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi, qui est en tournée dans le Katanga profond, histoire de battre le rappel des troupes et redonner du souffle à sa formation politique qui en a besoin à quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo. Après l'annonce de la Commission électorale nationale indépendante de la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Tshapwe a repris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de l'électorat du Grand Katanga afin de le mettre en ordre de bataille. L'heure est venue, selon le précaré de Moïse Katumbi Tshapwe, où les esprits sont déjà préparés pour ce grand moment. Le prochain, comme l'appelle ses proches, pour désigner celui qui les convainc d'être le prochain président de la République. Rencontre des foules humaines curieusement mobilisées pour marquer ce moment. Pas beaucoup d'efforts pour mobiliser, pour ses fils du terroir qui soulèvent sous son passage de la sympathie de la part de ce marée humaine déterminé à aller jusqu'au bout avec leur candidat, Moïse Katumbi. Tshapwe. Et puis la vice-ministre des Transports, Voies de communication, Séraphine Kiloubou, séjourne dans l'espace Grand Katanga en vue de redynamiser les entreprises publiques sous tutelle du ministère des Transports. Tour à tour, elle a été aux lignes maritimes congolaises, à l'OGFREM et à la CNSS. Accompagné de quelques membres du cabinet du ministère des Transports, Voies des communications et des enclavements dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, la vice-ministre Séraphine Kiloubou-Koutouna a effectué une série de visites de travail dans les entreprises de transport, à savoir les lignes maritimes congolaises, LMC, l'Office de gestion des frais maritimes, OGFREM, la Société nationale de chemin de fer du Congo et la Commission nationale de prévention routière. Au cours des échanges, Madonna Séraphine Kiloubou-Koutouna a exhorté les responsables de ces entités à travailler avec dévouement, sérénité, unité et à bannir toutes sortes d'antivaleurs pouvant compromettre le rayonnement de ces entreprises de l'État. Bon, nous sommes venus d'abord visiter les entreprises que nous gérons et nous sommes venus nous rendre compte si les liens. Et puis il y a plus les problèmes des inciviques qui sont en train de déranger la voie ferrée, ce qui fait que demain, si nous voulons reconstruire cette voie-là, nous aurons des problèmes. Nous mettre ensemble pour que nous puissions voir quoi faire pour empêcher les inciviques de dérailler la voie ferrée. Notons qu'au pied de l'avion, à son arrivée à Kolwezi, la vice-ministre Kiloubou a été accueillie par le ministre provincial des Transports, mais aussi par les membres et militants de la formation politique dont elle est autorité morale, l'Alliance populaire pour les sociales, APPS en abrégé. Et puis les femmes et les veuves des militaires et des policiers ont droit à la vie et à une vie saine. C'est dans ce cadre que le vice-gouverneur du Haut-Katanga et représentant de la présidente nationale de l'association Femmes et Promotion dans le Grand Katanga, Jean-Claude Cafoua, a réuni les femmes et veuves des policiers, toute unité confondue, dans l'enceinte du mess des officiers à Lubumbashi. Il était question de les honorer. Reportage Jean-Marc Koulou. Cet événement riche en couleurs a été organisé dans l'objectif de secourir ces femmes vulnérables à la veille de la rentrée scolaire qui démarre le lundi 4 septembre en leur remettant un lot important des fournitures scolaires composées des cahiers et des bics afin de permettre à leur progéniture d'étudier dans des bonnes conditions. Souci majeur de la bienheureuse Marthe Kessalou, a déclaré le vice-gouverneur du Haut-Katanga et coordonnateur interprovincial Jean-Claude Konfoy Kimimba lors de son mot de bienvenue, louant ainsi la bonne foi de la marraine, celle de servir le plus démuni conformément à la parole des dieux. Et qu'on a fait un goût yote et arsema, ma maman, yote et la République démocratique du Congo, anze kubasaidia. Juu anajua ya kama
Pour Geneviève Béa, complétée par le secrétaire exécutif national, ceci symbolise tout simplement l'attachement qu'a cette femme de cœur envers toutes les veuves de la RDC, vie à celle consolée ce samedi 2 septembre 2023 dans la ville de Lubumbashi, au Haut-Katanga, en présence du vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Konfoy Kimimba. Dans la joie inestimable, les femmes et veuves des policiers des différentes unités du Haut-Katanga ont également reçu des mains de membres du comité national des pagnes et des sacs des farines dont signé Marthe Kassalou Tshisekedi, la mère du chef de l'État. Vous le savez, le séisme qui a frappé le sud Kivu en 2015 a détruit sur son passage beaucoup des biens immeubles. Parmi ces derniers se trouvait l'école primaire Amwanda, garçon situé dans le groupement d'Irambi Katana, territoire de Kabare. Et bien, cette école a été réhabilitée par Serge Bahati, président de la fondation qui porte son nom. C'est dans un projet dénommé Maendeleo qui consiste à aider et reconstruire ce qui est détruit que Serge Bahati a entamé les travaux de reconstruction de cette école. Le 13 février 2022, il s'était tenu la cérémonie de la pose de la première pierre et les travaux ont déjà débuté. Qui est lui-même un ancien élève de l'été Rwanda. Et c'est dans cet élan que nous appelons tout un chacun à continuer de nous prêter main et qu'ensemble nous puissions apporter de la valeur à notre communauté. Que Dieu vous garde, mon goût à concorde. Une année et demie après, l'école est remise à l'église catholique. La remise s'est effectuée mercredi 30 août dernier. Le P1 Mwanda, qui comporte un bloc des 12 salles de classe moderne, un bloc administratif de plusieurs bureaux, un bloc sanitaire des 6 cabines et une salle de réunion, a été réhabilité grâce à Bahati Serge, président de la fondation qui porte son nom et qui a quand même reçu le financement de certains bailleurs des fonds du terroir, notamment le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a fait ses études dans cette école. Et puis la députée nationale Dominique Munungo a, au nom de sa fondation, fait un don constitué des fournitures scolaires, des sacs scolaires et une enveloppe pour des frais à l'orphelinat Smok Nyulang des Kakanda, une action posée dans le cadre de ses vacances parlementaires. C'est une visite surprise qu'a effectuée l'authentique princesse des Bayeke, Dominique Munungo Inamizi, députée nationale, à l'orphelinat Smok Nyulang des Kakanda. Au total, 25 orphelins, dont les filles et garçons, sont encadrés dans ces centres. C'est la rentrée scolaire. Des fournitures scolaires composées essentiellement des mallettes, chaussures, uniformes, cahiers et ardoises, tout pour une rentrée scolaire assurée. Chaque enfant a de quoi étudier pour cette année 2023-2024. Des friandises pour chaque enfant, des Smok Nyulang, et pour un enseignement de qualité, l'encadreur et responsable du centre a reçu un dictionnaire, des globes et des cartes de l'histoire contemporaine de la RDC. En véritable mère de la nation, ce véritable poupon s'est vu doté d'une tenue qu'il porte fièrement. L'élu de Louboudi, Dominique Munungo Inamizi, s'est résolument engagé de s'investir pour l'achèvement des travaux des salles de classe et l'amélioration des conditions de vie de ses enfants dans l'unique orphelinat de Kakanda. J'ai beaucoup d'émotions d'abord, mais qui me poussent à entrevoir d'autres actions à mener parce que je vois que leur immeuble n'est pas terminé, donc il y a encore du travail à faire, il y aura encore des actions qui viennent, qui vont suivre. C'est mon devoir, hein, parce que je suis avant tout une maman, et une maman doit s'occuper de ses enfants, et donc je suis venue à l'écoute, voir de mes yeux et évaluer les besoins qu'il y a ici. Mais leur devoir à eux, c'est de continuer à éduquer les enfants et qu'ils soient demain devant de grands responsables de ce pays. Cette orphelinat sera également dotée d'une borne fontaine dont les travaux sont déjà amorcés. Dominique Munungo Inamizi, la princesse au service des autres, donne tout pour ses enfants. Lancement de la campagne de sensibilisation et d'assurance maladie dans le district de la Lukunga, un programme initié par la structure CREC dont Joe Kalinga y est président national, soutenu par le parti politique NVCC, et c'est pour le bien de la population de cette partie de la capitale. C'est sur l'avenue Ngafani, précisément à Masangambila, que ses mamans, papa et jeunes de la commune de Mongafula sont réunis pour partager ces moments avec leur leader, Joe Kalinga. Ovationné à son entrée dans la salle, c'est au nom de sa structure grecque
Kidjo Kalengayi lance la campagne de sensibilisation et d'assurance maladie semi-gratuite pour le bien-être de la population du district de la Lukunga. Cette assurance maladie doit être bénéfique d'abord pour les membres de Lukunga. Pourquoi ? Puisque il y a des inquiétudes, il y a d'autres cas qui compliquent au moins le foyer, la famille, par manque de moyens. On n'a pas beaucoup d'argent, mais le mieux que nous gagnons, nous allons pouvoir mettre ça à la disposition de la population de Lukunga. C'est un petit geste que je nous donne le moyen pour maximiser encore beaucoup d'avantages. Membre du parti politique Nouvelle Vision pour le changement du Congo, NVCC, Joe Kalengayi s'est vu soutenu par les siens. La période préélectorale et tous les états-majors des partis politiques s'activent. Et c'est comme cela, la Nouvelle Vision pour le changement du Congo a bien voulu venir témoigner son soutien à un de ses membres, pas de moindre qui est M. Joe Kalengayi, de tout ce qu'il est tenté de faire ici au niveau de la Lukunga. On a vu l'engouement et ça doit continuer encore dans d'autres communes. C'est dans une ambiance bon enfant que la cérémonie s'est clôturée. La Fondation Abigail Wanzambi, en collaboration avec le Centre de formation InfoNet Center, a procédé dimanche à la remise des brevets aux 150 lauréats de la deuxième édition de la formation professionnelle en informatique et bureautique, une formation qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage dans le district de la Tchangou. Elle est prête à lutter contre la pauvreté intellectuelle, les chômages, les antivaleurs et l'incivisme dans le milieu des jeunes dans les districts de la Tchangou. Voilà l'objectif poursuivi par la Fondation Awalous qui a procédé à la remise officielle des brevets aux 150 lauréats de la deuxième édition de la formation professionnelle. Nous n'avons pas voulu investir dans le néant, on a voulu investir dans l'homme pour que l'homme qui est le maître du monde, qui est celui qui doit décider de développer le pays, se mettre à l'œuvre. Je suis heureux, je suis fier et j'espère que nos lauréats ont bien pris les conseils que nous leur avions donnés de mettre à profit cette formation afin d'innover, de créer pour le développement du pays. C'est une reconnaissance face à cette population. Et deuxièmement, j'entre dans la vision du chef de l'État. Il peut compter que sur moi. Un sentiment de satisfaction pour les lauréats qui, à leur tour, ont remercié ces hauts cadres du parti au pouvoir, Abigail Wanzambi Lusambo. Et je voudrais vraiment remercier maman Abigail Wanzambi, sincèrement, parce que d'autres personnes aiment investir leur argent dans les jeunes, dans l'histoire du genre Salongo, Polo, tout ça. Mais elle, au moins, elle a pensé à outiller les jeunes par rapport à leur pensée. Nous avons bénéficié de cette formation gratuitement. Nous n'avons rien payé. Vraiment, gloire à Dieu. Qu'elle soit là, qu'elle continue toujours de faire les œuvres, ce qu'elle fait là. Connu pour ses gestes de générosité en faveur de la population de la Tchangou, Abigail Wanzambi Lusambo, présidente de la Fondation Awalous, promet d'élargir les actions des bienfaisances. 2023-2024 au Collège moderne Les Fuguiers, les cours ont débuté ce lundi où les élèves ont répondu présents. Une rentrée qui coïncide avec les 10 ans d'existence de cette école en RDC. Ils se sont levés des bons matins pour envahir leur école du cœur. C'est lundi 4 septembre pour la rentrée scolaire et ce sont les élèves du Collège moderne Les Figuiers. Une rentrée exceptionnelle qui tombe le même jour que l'anniversaire de cette école qui commémore ses 10 ans d'existence. L'année 2013-2014, Les Figuiers a commencé et aujourd'hui, 2023-2024, nous totalisons 10 ans d'existence. En présence des parents, dirigeants et dirigeantes du Collège moderne Les Figuiers, dont Jessica Mukwanga, les coordonnateurs de cette école, Marcel Nyumbaiza, a souhaité la bienvenue aux anciens, aux nouveaux élèves du Collège moderne Les Figuiers. Moderne Les Figuiers est cette école qui reçoit les jeunes désireux de forger leur personnalité et soucieux de devenir plus tard des adultes responsables et utiles à la société. Le Collège moderne Les Figuiers est un milieu éducatif par excellence où sont inculquées non seulement les sciences, mais également les notions de savoir-être et savoir-faire-faire. Les Collèges modernes Les Figuiers avaient présenté plus de 80 élèves à l'Exeta 2023. Tous ont réussi un bon nombre, avec plus de 80% dont 7 ont obtenu 85%, une preuve d'une meilleure éducation
fournie par cette école. Une meilleure éducation fournie par cette école. Acteur de développement et candidat à la députation nationale de la ville de Kenge, Raoul Mbosso a une fois de plus soulagé le calvaire des parents en cette période de la rentrée scolaire en distribuant gratuitement plus de 48 000 kits scolaires aux enfants de Kenge et les villages environnants afin de leur permettre de regagner le chemin de l'école. Héritier Tamboa signe ce reportage. Il a dépêché son épouse Nicolette Mbosso le vendredi dernier afin de procéder à la remise officielle de ses kits aux familles bénéficiaires sans distinction. Tout a commencé au village Wamba où la population attendait impatiemment l'arrivée de la délégation du potentiel candidat à la députation nationale pour la ville de Kenge. Accueilli chaleureusement, Nicolette Mbosso a saisi l'occasion pour transmettre les salutations de son mari à la population venue nombreuse l'accueillir et a par la même occasion appelé cette dernière, surtout tous les enfants, d'aller tous à l'école car le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a à travers la gratuité de l'enseignement permis à tous les enfants d'aller à l'école. 1920 kits scolaires ont été distribués dans ces villages. Viva, 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 viva. Infatigable, Nicolette Mbosso a poursuivi son périple dans les villages Lipanda, Mangoy, Kingulu 1 et 2 pour boucler la première étape de la distribution des kits scolaires au village Bakali. Samedi, l'épouse de Raoul Mbosso a poursuivi avec la distribution dans la ville de Kenge, d'abord à l'espace Ibeka, où étaient rassemblées plus de 2800 femmes et enfants. Message accueilli favorablement par la population qui a obligé Nicolette Mbosso, épouse de Raoul Mbosso, d'assurer elle-même la distribution jusqu'à ce que la dernière personne reçoive son kit scolaire. Et puis le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassé-Ananga, poursuit ses rencontres avec les différentes couches de la population pour les sensibiliser au processus électoral en cours. La semaine passée, il a échangé à Isiro avec la jeunesse de la CK16. Christophe Bassé-Ananga poursuit son désemparé, ses contacts de proximité initiés avec les différentes couches de la population de la ville d'Isiro. Près d'un millier de jeunes, de la communauté évangéliste au centre d'Afrique CK16, toutes paroisses confondues, rassemblées au siège du Congo Espoir. Il s'agit pour les gouverneurs de leur apporter sa solidarité au lendemain du 49e anniversaire de l'existence de cette pépinière de la CK16. Dans une approche pédagogique, que l'autorité provinciale fournit les explications claires par la technique des libres expressions ou requêtes et desiderata de cette jeunesse, y compris les préoccupations liées à la gouvernance de la chose publique dans son entité. Il attire l'attention de cette jeunesse sur la préservation d'un climat de paix pendant cette période des enjeux électoraux. C'est ainsi qu'il convie ses interlocuteurs à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. En ce qui concerne les élections présidentielles, a voté le président Tshisekedi. De leur côté, les jeunes de CK16, par l'étruchement de leur porte-parole, remercient vivement le maître d'école pour son initiative des rapprochements. C'est sur une note musicale de la chorale que se clôture la manifestation. En sport, pour finir, démarré depuis le 27 août dernier, le tournoi du football, le tournoi de football dénommé Mongafula Telema s'est clôturé le dimanche 3 septembre. Durant une semaine, 16 équipes ont rivalisé pour arracher le trophée, mais aussi l'enveloppe consistante mise en jeu par l'organisateur Maître Socrate Moubengaï, autorité morale de la SBL, les amis de Socrate Moubengaï. Présent au match de la finale ayant opposé Mitendi à Belpro, le ministre de la Jeunesse et Initiation de la Nouvelle Citoyenneté a d'abord félicité l'initiateur de ces tournois, Socrate Moubengaï, ainsi que les athlètes pour la discipline qui a régné avant, pendant et après la compétition. Je tiens premièrement à féliciter l'autorité morale de nos amis et Socrate Moubengaï. Cette occasion qui
voulais offrir aux jeunes, voir ce qu'ils trouvent à travers un tournant et d'être sensibilisés sur une bonne valeur. Moi, en tant que ministre de la Jeunesse, je ne peux qu'encourager et soutenir cette initiative. Yves Bonkolo Zola a reconnu aussi la discipline qui a régné parmi les athlètes depuis le début de ces tournois, contrairement à ceux qui s'organisent ailleurs. De l'autre côté, Maître Socrate Moubengaï a rappelé à la jeunesse la place qu'elle doit occuper pour le développement d'une société. Un pays qui se désintéresse de sa jeunesse finit par devenir un état défaillant. Car dans une société, la jeunesse représente un capital humain indispensable. C'est pour cette noble raison que moi-même, en tant que jeune, j'ai choisi d'attirer mes pères dans cette activité sportive. Amen. Afin de le conscientiser, à s'engager par des actions communautaires utiles pour l'émergence de nos différents milieux. Remporté par l'équipe Bell Pro, vainqueur de Mitendi par 2-0, ce tournoi s'est joué sur la note de l'éveil de la conscience des jeunes. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Massacre à Goma, un commandant de la garde républicaine et les commandants régiments forces spéciales aux arrêts. Les responsables militaires seront également en procès pour qu'ils répondent de leurs actes. L'annonce est du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Peter Kazadi. Alors que la CENI a convoqué l'électorat pour la présidentielle, Moïse Katumbi est en tournée dans le Katanga profond. Manono, Malema, Kulu, Kabongo, Bukama sont les territoires qui sont sur l'agenda de ce candidat à la présidentielle de 2023. Dossier Bukangalonzo, la haute cour a décidé de la remise pour 3 semaines pour s'imprégner de nouveaux éléments. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb.